Beaucoup de chrétiens ne sont pas habitués à voir les hommes de Dieu réclamer leurs droits ou les droits du peuple. Quand un prêtre, un pasteur parle de politique, non, il manque à faire. Ce n'est pas son travail. C'est mon travail. Quel est le travail? Moïse a travaillé auprès de qui? Auprès de Pharaon, non? Quel était le travail de Moïse auprès de Pharaon? Laisse aller mon peuple. C'est tout le travail de Moïse. Or, Moïse est grand prophète. Donc, vous voulez dire que Moïse n'a pas bien travaillé? Vous voulez dire que Moïse est sorti de sa mission? Moïse était tout le temps devant Pharaon. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Vous lisez quelle Bible, vous? Vous lisez quelle Bible? Parce que ma Bible, à moi, dit que Moïse parlait tout le temps à Pharaon. Et Dieu lui a dit, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Moïse était un Dieu pour Pharaon. Pas Pharaon, un Dieu pour Moïse. Donc c'est lui qui devait trembler devant l'autre. Ce n'est pas Moïse qui devait trembler devant Pharaon. C'est Pharaon qui devait trembler devant Moïse. Parce que Dieu a fait Moïse un Dieu pour Pharaon. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, on dit même des choses poliment, on dit même des choses très bien. Jésus a traité Hérode de renard. Mais nous, nous disons des choses bien. Nous disons, voilà, travaillez pour le pays, changez-le. Ne restez pas attachés au passé. Oh, mes prédécesseurs ont mal travaillé. Oui, ils ont mal travaillé. Pourquoi vous avez pris le pouvoir? Vous avez pris le pouvoir pour arranger, pour corriger. Corriger! Ne soyez pas tout le temps en train de vous plaindre. Oh non, mon prédécesseur, non, c'est déjà fini. Vous avez déjà eu une année de pouvoir. Montrez les changements. Soyez les changements dont vous nous parliez autrefois. C'est notre droit. Le plus élémentaire, vous réveillez, vous demandez de donner la meilleure version de vous-même. Et il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Le travail d'Élie. Élie a travaillé auprès du roi Akab. Tout le temps, il avait des problèmes avec Akab. Akab le considérait même comme son ennemi. Ozias, la même chose. Lisez la Bible. David, tout le temps, le prophète Nathan était là pour lui dire de revenir. Ce sont des prophètes, hein, donc les prophètes. Donc, Nathan, c'est un prophète. Élie, c'est un prophète. Moïse, c'est un prophète. Michée, c'est un prophète. Et voyez le travail qu'ils ont fait auprès de rois de leur temps. Oh non, vous commencez à faire de la politique. Prêchez l'évangile. Quel est cet évangile qui ne toucherait pas la politique? Il n'y en a pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche un évangile qui ne touche pas la politique, c'est un menteur. Vous chassez seulement les démons? Il y a des petits démons, une maman qui vole une poule. Celle-là a commis un péché. Mais quand dans une province, dans un pays, on vole les minéraux, on vole les millions, ça, ce n'est pas un problème. Ça, on ne peut pas condamner. Mais la maman qui a volé la poule, là, à l'église, on la condamne. Vous êtes voleuse, vous avez volé la poule. Mais les gens qui volent des millions, qu'on les laisse en paix. C'est ça l'évangile. Les petits voleurs qui viennent à l'église, après avoir volé, ce n'est pas un enfant qui a volé 10 000 francs à sa maman. On lui impose les mains, il tombe. Mais ce monsieur qui a volé des millions, il vient à l'église, il n'est jamais tombé. On ne peut pas se poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi lui ne tombe pas? Lui qui vole les minéraux. Celui qui a volé 10 000 francs tombe. Celui qui a volé des tonnes et des tonnes de cuivre ne tombe pas. On doit se poser des questions. Ce sont ces gens-là qui devaient tomber dans nos églises. Ce sont des grands voleurs. Un sorcier qui a seulement ensorcelé deux personnes, il tombe. Mais ce monsieur qui ensorcelle tout un pays, lui ne tombe pas. Ce n'est pas normal. Il doit tomber à la prière. Mais est-ce que vous avez déjà vu un politicien tomber à la prière? Ils viennent aux prières là, dans les églises de tomber là. Hein? Ils ne tombent pas. Ils sont toujours debout du début à la fin. Parfois, ils sont même assis, ils ne tombent pas. Mais ce sont les pauvres mamans là. Ah, moi, je suis ici, je suis sorcier, je suis dans cet enfant. Mais lui est dans cet enfant, mais le sorcier qui est dans le pays, dans tous les habitants du pays, on ne le voit pas.